Bonjour et bienvenue dans votre émission Digital Business. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème bien particulier qui nous environne tous les jours dans toute notre société. Il s'agit des TIC. Et voilà pourquoi nous nous tenons là aujourd'hui devant Irembo pour pouvoir parler plus en détail de ce que ce système apporte à notre société, à notre culture, mais également à notre économie. Nous allons voir si les TIC sont véritablement un acteur pour l'économie du Rwanda. Regardez. Premièrement, on a été mandaté par le gouvernement du Rwanda à pouvoir mettre en ligne tout l'ensemble des services du gouvernement à travers Irembo pour que la population rwandaise puisse avoir accès aux services gouvernementaux, mais aussi les étrangers qui visitent le Rwanda pour qu'ils puissent faire les demandes de visa et d'autres services en ligne. So this Rwanda 9 platform. They emphasizing them to use paperless system. L'administration électronique visant à exploiter les TIC d'une manière bien précise demande des efforts conséquents qui vont être mis en place très prochainement et cela est plutôt prometteur. Nous sommes au courant de la campagne d'Ikorere qui a comme objectif de sensibiliser les Rwandais en général à pouvoir utiliser le service Irembo sur leur portable. En rapport avec l'initiative de Connect Rwanda qui a comme mission de pouvoir donner un smartphone à chaque maison, nous aimerions ou nous souhaiterions chaque individu ayant bénéficié de ce smartphone puisse pouvoir utiliser le service Irembo facilement. Ici à Irembo, on sert tout le pays. Donc, si on est 12 millions, si on est 13 millions, c'est 13 millions qu'on sert. Okay. Donc, oui, il faut avoir ça en tête que c'est toute une nation qu'on sert. Donc, on doit être à la hauteur de ça. Ouais. Le mot Irembo signifie porte ou encore passerelle. Et littéralement, Irembo est la passerelle entre le gouvernement et les citoyens. Mais est-ce véritablement son rôle de jouer cette passerelle avec efficacité et simplicité comme le conçoit le pays? C'est ce que nous allons découvrir. Ce service touche dans tous les secteurs de l'économie rwandaise. Ce qu'on a fait ici à Irembo, c'est non seulement mettre ce service en ligne, mais aussi accélérer les outils, mais aussi mettre en place les moyens qui peuvent aider les citoyens à recevoir ce genre de services. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Votre téléphone, c'est un outil principal qui vous aide à te connecter avec le gouvernement, à faire le paiement, mais aussi à te connecter avec le monde entier. Et je me dis que ça a vraiment changé la vie des gens parce que tu peux juste t'asseoir chez toi ou dans ton bureau et recevoir tes documents sans que tu aies à faire tous ces trajets qu'on avait à faire avant. On a trois canaux d'application, de faire l'application, bien de faire la demande. Donc à travers votre smartphone, www.irembo.gov.rw, mais aussi sur le technologie USSD et toi 909 10. Donc là tu n'as pas besoin de te connecter sur votre smartphone, tu utilises justement le technologie USSD et aussi à partir du réseau de nos agents qui sont un peu partout dans le pays et t'aident aussi à trouver tous ces genres de services. Et voilà, après ce petit tour d'horizon sur Irembo et le développement qu'il apporte à la société, nous allons voir si cette application des TIC apporte véritablement une transformation auprès des personnes qui vivent dans les zones rurales et au Rwanda en général. Sure, we have different categories of people who are using our platform. We have educated people and non-educated people. So with non-educated people, we have agents countrywide who help people who don't know how to use the platform, who don't know how to use computer or USSD. So we use agent to help the citizens. Pratiquement, ce que je fais en tant qu'agent d'Irembo, je donne ou je délivre les services
de l'État à travers Irembo. Voilà, je donne ça, je délivre ça aux citoyens à travers Irembo. Évidemment, c'est par les systèmes informatiques, le website, ça s'appelle Irembo. Ouais, c'est toute une plateforme qui contient les services de l'État. Ouais, entre autres, il y a laissez-passer, passeport, il y a carte d'identité et beaucoup tant d'autres. Je ne peux pas tout citer là, mais non. Ouais. Regarding people who are educated, we are doing sort of awareness using media, using different telecommunication that work with MTN, Airtel to educate citizens. So it's still a challenge because when we look at on the percentages, most of people, they use agents to access government services, which is really a challenge to us. But we try to promote what we call self-service. In Kinyarwanda, this campaign is called Bikorere. So now we are pushing citizens to show how easy it is to use the platform, how easy it is to use mobile phone to access government services. Dans l'intention d'un changement pour toute organisation, il est primordial de réfléchir à une bonne préparation et de définir quelles sont les clés, facteurs de ce changement, et notamment de relever les défis qui seront importants pour notre futur. As you know, everything which is new, some people resist even to use the platform. Les difficultés, c'est par rapport peut-être aux employés, ouais, peut-être arriver à bien gérer toutes les personnes quand il y a par exemple une queue. Vous voyez, c'est beaucoup de travail et tout. Ouais, mais à la fin, on s'en sort. Citizens thought that it's just a burden to them, that they want just to take money from them. They didn't understand at the beginning the importance of the platform. Comme je viens de le dire, c'est savoir quand écouter un client et quand ne pas l'écouter. Des fois, ils croient qu'ils savent ce qu'ils veulent, mais parfois, c'est pas comme ça. Donc, il faut aussi avoir la logique des choses et aussi être à l'écoute de tout le monde. Finalement, nous pouvons donc constater que le changement a bien été pris par l'entièreté de la société. Un véritable succès d'Irembo et nous attendons encore plus de leur part et nous y croyons. Apparently, citizens they are happy with the platform because they used to do a long distance travel and a lot of time to access government services, but now citizens, they are happy about Irembo platform. En tant qu'utilisateur, Irembo a vraiment changé beaucoup de choses pour moi et d'ailleurs pour tellement de gens, tellement de Rwandais qui veulent beaucoup de services. C'est vraiment une très bonne chose parce que ça aide les gens à implanter des représentations un peu partout dans le pays. Parce qu'avant, c'était tellement difficile d'accéder au service de l'État. Il fallait que les gens s'alignent devant le chef, c'est pas moi, du secteur ou les chefs de Akagari, vous voyez tout ça. Mais aujourd'hui, les gens n'ont plus besoin d'aller vers les chefs directement. Ils passent par Irembo et ils ont les services qu'ils veulent. Et avant, je dirais que c'était un processus trop long. Mais après Irembo, je me dis que ça a été vraiment facile. Par exemple, je peux être ici avec mon ordinateur, aller sur le site web, juste mettre les informations qu'on demande et attendre qu'on me donne mon numéro pour que je puisse payer. Et après, j'aurai juste un tout petit un code qui va m'aider à recevoir mon certificat par mail. Some were very resistant to the platform. But due to the political will, which is very important in any country, when there is a political will, citizens get involved and they use the platform. That's what we thank even the government of Rwanda for, like, that willingness to promote ICT and the usage of technology in service delivery.
À toute bonne chose, il y a toujours comment dire, des challenges, si je pourrais dire ça comme ça. Et je dirais que là maintenant, au stade où on en est, il est vraiment important de faire en sorte que tout le monde soit vraiment confortable à utiliser cet outil qu'on a mis en place. Et je dirais que s'il y a une manière ou une autre où on peut avoir un site web qui est plus, on dit ça en anglais, user-friendly, qui est plus agréable et facile à utiliser, ce serait plus facile pour un citoyen. Ouais, ça va, ça avance avec le temps parce qu'on fait des formations un peu partout dans le pays et aussi on continue à les éduquer. On utilise les données ici qu'on a avec des applications un peu partout pour nous aider à améliorer, à mieux les servir. Lorsque le succès est au rendez-vous et que les consommateurs sont plutôt satisfaits, pourquoi ne pas ouvrir les portes aux autres ? So Irembo, we are very ambitious and we strongly believe that with what I said before, political will, we are able to deliver technology in all Africa countries, but we haven't yet started in other countries. But in our vision and the future targets, we are planning to go in other countries, yeah. En tant que mandataire de la communauté internet au Rwanda, nous sommes très satisfaits de ces services Irembo et surtout de son impact dans la vie quotidienne de Rwandais. Irembo, la passerelle ou encore la porte qui offre un grand avenir au Rwanda, nous vous encourageons dans ce sens. Continuez.